régime carcéral, bien évidemment. Cela n'a rien à voir avec une libération pure et simple, car il resterait en milieu fermé, dans un hôpital et soumis à des soins. Mais pour bien comprendre les choses, à quoi ressemble le quotidien de Romain dans cette unité pour malades difficiles? Romain vit dans une chambre avec trois autres malades. Il participe à de nombreux ateliers de jardin, de cuisine ou encore de yoga. Sa famille a le droit de lui rendre visite une fois tous les 15 jours durant 2 heures. Et quelle est la suite concernant sa demande de transfert? Alors, d'un point de vue strictement médical, Romain peut désormais quitter l'unité où il a été admis dès son arrestation en 2005. Mais les pouvoirs publics doivent donner suite. L'avis du nouveau collège d'experts devrait être transmis prochainement au préfet de Gironde. Et c'est lui qui doit donner son accord, comme l'exige la procédure dans le cadre d'une hospitalisation d'office. Si la requête est acceptée par le préfet, c'est ensuite à l'agence régionale de santé d'organiser...